Je suis Kenji, du clan du Serpent, et mon ancêtre a divisé le monde. La Horde détruisait tout sur son passage. C'est pourquoi il a réuni le clan et s'est enfui vers le sud en sauvant toute la cour. Il ne savait pas que la Horde ne serait que le premier ennemi d'une longue liste à persécuter le clan du Serpent. Il ne pouvait pas savoir que sans le pouvoir du globe pour les guider, ses descendants deviendraient faibles et cruels. Finalement, il n'a jamais vraiment eu le choix lorsqu'il fit face à la Horde. Fuyez! Les hommes de Shinja arrivent! Tu n'es pas un villageois. Si tu massacres ta part de paysans, je t'offrirai une place dans la bande de Shinja. Hi-ya! Cliquez avec le bouton gauche pour me sélectionner. Une fois la sélection effectuée, cliquez à l'aide du bouton droit sur le sol et je me rendrai au point indiqué. Vous pouvez aussi cliquer avec le bouton droit sur un ennemi pour que je l'attaque. Cliquez avec le bouton sur quelque chose d'autre pour me désélectionner. Kenji, on te croyait mort. Cela fait longtemps, Otomo. J'ai attendu 7 ans pour te servir, Seigneur Oja. Ne m'appelle pas comme ça. Assassin! Il nous a sauvé la vie. Il a tué son propre père. Regardez, c'est Kenji! Il ne parle pas au nom du village. Le fils du serpent viendra prendre le thé chez moi. Les bandits travaillaient pour Shinja? Il règne sur les provinces du Nord, et il aimerait bien régner sur celle-ci s'il le pouvait. Il cherche à reconstruire le clan, mais ses méthodes sont peu orthodoxes. Shinja a servi mon père avec loyauté pendant des années. Il a goûté au pouvoir et il ne l'abandonnera pas facilement.
Mais Shinja ne gouverne que parce que personne d'autre ne veut tenir tête aux autres clans. Le loup et le lotus s'entretuent pour les vestiges de l'empire de ton père. Je vais avoir besoin de Shinja. Alors il faudra que tu le battes. Shinja gouverne deux provinces à partir d'un vieux fort du serpent. Ici, pendant que ses archers mercenaires arpentent la route de l'Est, dérobant ce qu'il reste. Disperse les forces de Shinja, et il perdra toute envie de résister. Nous n'avons pas de soldats, mais les villageois sont prêts à nous aider. Que doit-on faire ? Les bandits ont dû évacuer la population. En garde, il reste une hutte de paysans intacte. Nous devrions reconstruire le village. Je m'y rends. J'obéis. Oui, seigneur. Très bien. Je m'y rends. Par là. Au service du dragon. J'obéis. Très bien. Je m'y rends. Oui, seigneur. Très bien. Je fonce. En route. À vos ordres. Bien sûr.
J'arrive. Entendu. Par là. En avant! Au service du dragon. J'obéis. Entendu. C'est fait. Je m'y rends. Qui est le maître? À la victoire! Très bien. Je suis parti. Bien sûr. Entendu. À vos ordres. Je m'y rends. Très bien. Au service du dragon. Oui. C'est fait. Je fonce. Très bien. C'est fait. Par là. Dans le sang et pour l'honneur. Oui. Par là. À vos ordres. J'arrive. À mort. Vos ordres. C'est fait. Pour le dragon. À vos ordres. Je fonce. J'obéis. Oui. J'y suis. Par là. Tu vas voir qui est le maître. Chargez. Oui. Par là. J'arrive. Oui. C'est fait.
J'y suis. Entendu. Pour le clan. Pour l'honneur. Dans le sang et pour l'honneur. Et ça. C'est fait. Entendu. C'est fait. C'est fait. Oui. Pour le clan. Tu vas voir qui est le maître. J'y suis. Écrasez-les. C'est le dernier d'entre eux. Déshabiller leurs cadavres. Quoi? Shinja tuerait-il ses propres hommes? Non, mais... Alors allez me chercher leurs vêtements. Qui sont ces crapules? On dirait les bandits recrutés par le seigneur Shinja. Laisse-les tranquilles, ils sont inoffensifs, ouais. Par là.
J'arrive. Oui. Pour le dragon. À vos ordres. Je suis parti. Oui. J'arrive. Entendu. En route. Je fonce. Entendu. À vos ordres. Je suis parti. Je m'y rends. J'obéis. C'est fait. Oui.
Je m'y rends. Je fonce. L'arc à la main. Oui, seigneur. Au service du dragon. C'est fait. Entendu. Par là. Entendu. Oui. En avant! Dans le sang et pour l'honneur! Ordre. En route. Chargé. Par là. Tu vas voir qui est le maître. À vos ordres. Je suis libre. Je me rassemble. À mort. Je suis. Ma famille. Pour l'honneur. Il en sera ainsi. Concentré, paré. C'est fait. Vidons notre esprit et cherchons la cible. Voir qui est le maître. Ah!
C'en est fini! Évidemment. Tu sais qui je suis? Kenji, le fils du serpent. Et pourtant, tu ne t'es pas rendu! J'ai connu autrefois un garçon effrayé qui s'est enfui pour échapper à ses détracteurs. Il fallait que je sache si ce garçon avait changé. Es-tu revenu pour prendre le clan du serpent? Où est le globe du serpent? Tu vas diviser le monde, alors. Ne lui manque pas de respect. Désordre, Tomo. Ta mission était de protéger le globe. Où est-il? Au bassin du cygne. Le vieux était plus perspicace qu'il n'en avait l'air. Il savait que Serpentol ne tiendrait pas. Un seigneur Oja n'aurait jamais donné le globe à une geisha. Si, il l'aurait fait. Comment se fait-il que le bassin du cygne existe toujours? Les geishas sont toujours vues comme des intouchables. Ces temps dans la tombe ont affaibli le charisme de ton père, mais le loup et le lotus redoutent encore son nom. Montre-moi le chemin le plus sûr. J'ai servi le père, donc je servirai le fils. Le clan du loup s'est installé ici après avoir expulsé les paysans. La puanteur de leur baraque flotte vers le sud quand le temps est dégagé. Comme à l'époque de ton père. Les barbares du loup ne sont que piètrement préparés à se défendre contre un ennemi prêt à se battre. Pourtant, le loup cherche continuellement la bagarre. Les terres du clan du lotus se trouvent à l'est, mais ils ont construit un avant-poste ici. Un de leurs ignobles sorciers a réduit les paysans en esclavage grâce à sa magie noire. Les villageois connaissent bien le terrain, ils seront des alliés de valeur. La route la plus directe passe par le centre de Bergerine. Les autochtones survivent en faisant du commerce avec le lotus et le loup. Nous ne serons pas inquiétés.